N'Djamena, il est difficile, très difficile de délimiter le marché de Dembe. En théorie, ses limites sont connues, mais dans la pratique, les commerces se développent même sur les avenues bordant le marché. Les usagers de la route doivent doubler de vigilance, l'embouteillage et le lot quotidien sur ces axes. La commune du 7e arrondissement vient donc de lancer une opération pour dégager les voies obstruées par certains commerçants. Moussa Mboudou Abdoulaye. Confusion totale. Difficile de faire la différence entre le marché de Dembe et la voie bitumée réservée à la circulation. Ces marchands, comme en témoignent les scènes, étalent allègrement leurs articles sur cette grande voie, obstruant ainsi toutes les issues. La matinée du samedi s'annonce très difficile pour ces commerçants, car les agents de la mairie utilisent les moyens à leur disposition pour perquisitionner les articles. Le maire premier adjoint de la commune du 7e arrondissement déplore cette attitude. Ces marchands ont été installés dans plusieurs marchés. Mais c'est par les civils qui sont revenus s'installer ici. Donc la seule solution, c'est de les faire partir de force. Dans les jours à venir, les mesures seront prises. Nous allons les faire partir pour que la circulation sur cet axe soit fluide. Certains commerçants apprécient l'initiative de la mairie du 7e arrondissement. Le bain d'affaires, c'est très bon. C'est dans l'intérêt de la population. Faire leur vendre leur marchandise sur le goudron. Ce qu'ils ont dégagé, les gens, c'est très content de ça. Désormais, toutes actions illégales des commerçants seront soumises à des amendes ou des saisies des articles, renchérit le maire de la commune du 7e arrondissement. Makaïla Djibrilla, de conclure que des vastes campagnes de sensibilisation seront menées dans le prochain jour pour le respect de l'orthodoxie du commerce.